Chacun d'entre nous faire une prière ce matin. Non simplement une prière, mais un vœu. Seigneur, je t'offre mon cœur ce matin. Je t'offre mon cœur ce matin. Si mon cœur a besoin d'une chirurgie, fais-le. Si mon cœur a besoin d'un pansement, fais-le. Si mon cœur a besoin d'une consolation, donne-la-moi. Si mon cœur a besoin d'une réponse, réponds-moi. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous voulons simplement te dire, de manière honnête, je t'offre mon cœur. Cher Saint-Esprit, aide-nous ce matin. Que ta parole soit un remède. Que ta parole console quelqu'un ce matin. Que ta parole relève quelqu'un ce matin.
tu as vu comme David dans les cavernes où nous nous cachons à cause des poursuites, à cause des échecs, à cause des accusations, sans force dans la caverne. Mais nous avons besoin de ta main. Il n'y a que ta main qui peut sortir quelqu'un d'une caverne. Je prie ce matin que toutes les cavernes se retrouvent vides parce que tu auras sorti ton peuple. Un jour, Pharaon s'est rendu compte qu'il ne contrôlait plus les enfants d'Israël. Ce matin, je voudrais que cette parole mette fin à tout contrôle. Que cette parole mette fin à toute domination. Que cette parole déclare la liberté de quelqu'un. Seigneur, je te dis merci ce matin. La Bible dit que tu envoies ta parole pour un but, pour guérir. Que ta parole guérisse maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Merci de prendre place. Je voudrais vous proposer ce matin, on va lire deux lectures. La troisième, je la lirai moi-même. Donc, Jennifer et Paulo, lisez-moi. Hébreux chapitre 12. Nous lisons le verset 14 et 15. Hébreux chapitre 12. Nous lisons le verset 14 et le verset 15. Ensuite, nous lirons Luc chapitre 20, nous lirons les versets 17 et 18. Luc chapitre 20, du 17e au 18e verset. À Dieu ne plaise, mais jetant les regards sur eux, Jésus dit, que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Hébreux. Hébreux, chapitre 12, versets 14 à 15. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume... Non, réponds encore. Veillez. Veillez à ce que nul... Réponds encore. Veillez. Veillez. Non, réponds à haute voix. Veillez. Veillez. Encore à très haute voix. Veillez. Veillez. À ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Merci. Écoutez maintenant mon texte à moi. Il est dans Proverbes chapitre 23. Verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Je m'arrête là. Car il est comme les pensées de son âme. C'est-à-dire que tu es le produit de ce que tu penses de toi. Quelqu'un m'entend? Je voudrais que pendant que je suis en train de parler ce matin, jeudi, dimanche, samedi, je ne sais pas, vendredi, jeudi, quel genre de futur tu vois pour toi? Tu te vois qui demain? Moribond? Médiocre? Tu te vois qui? Quel genre de futur te vois-tu demain? Et je dis que la parole de Dieu dit par la bouche de
du sage, dans les proverbes, il dit, il est comme les pensées de son âme. Si dans ton âme, tu nourris les pensées de médiocrité, d'échec, de toutes ces pensées que tu nourris là, c'est celles qui vont te façonner. Quelqu'un m'entend? Quand tu vois toujours des impossibilités, tu vas t'appeler le monsieur impossible. Si tu vois toujours des échecs, tu vas t'appeler monsieur ou madame échec. Tu ne seras que le produit de ce que sont tes pensées, ce que ton âme nourrit, ce que dans ton fort intérieur. Bien-aimé, ce que nous faisons est le fruit de ce que nous avons longtemps pensé, que nous avons longtemps mis dans notre cœur, que nous avons malaxé avec l'intelligence, avec les idées. Et puis un jour, nous faisons quoi? Nous mettons ça. C'est un peu comme un enfant. Il rentre sous une forme un peu... Et puis un jour... Un enfant commence par un rien du tout. Mais devient toi et moi. Tu y es le produit de ce que tu fais nourrir à ton âme sur toi. Que penses-tu de toi-même? Ou qu'envisages-tu pour toi-même? Tu envisages quoi? Tu te vois comment dans les 2 mois à venir? Voilà, j'ai dit vendredi que j'ai déjà trouvé le message que je parlerai le 31 décembre. Tu te vois qui l'année prochaine? Tu te vois qui? Tu attends que le 31 décembre on te dise bonne année pour que l'année soit bonne? Même si tu ne me diras pas bonne année. Ah, moi je sais ce que je fais de cette année qui va venir. Ah, est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. C'est pourquoi, bien aimé, je ne peux pas être prisonnier d'un compliment de quelqu'un. Amen. Si tu me dis je suis beau et puis je commence à sourire. Ah, ma soeur, que tu me dises beau ou pas, je suis beau. Amen. C'est ce que je nourris dans mon cœur. Alléluia. Amen. J'ai envie de prêcher ce matin. Amen. J'ai envie vraiment de prêcher ce matin. Je sens qu'il faut que je prêche ce matin. Bien aimé, quand tu te réveilles le matin, tu te regardes dans le miroir. Pardonnez-moi, il y a des gens qui meurent. Oh, moi, on ne m'a pas fait de compliment. Tu veux me faire quel compliment? Dieu m'a déjà fait le plus beau compliment. S'il y a 2 hommes beaux dans ce monde, on me comptera. Je n'ai pas besoin d'aller faire Miss Monde. Je n'ai pas besoin d'aller me maquiller. Bien aimé, je me réveille le matin moi-même. Je dis, Chungu beau. Oh. Alléluia. C'est ce que je nourris dans mon cœur. C'est ce que je serai. C'est comme ça d'ailleurs que les gens vont avoir peur de toi. Parce que les gens disent, mais ce gars-là, il a des idées qu'on ne peut pas détruire n'importe comment. Mais toi, tu vis parce que les gens ont mis les idées en toi. Les jours où ils les enlèvent, tu es fini. Dis à ton voisin, fais attention avec moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le produit de ce que nous pensons de nous-mêmes. Non simplement de nous-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais parler à quelqu'un ce matin. Tu rentres dans ton travail. Laissez-moi, parce que sinon je vais dire des choses avant. J'ai demandé à maman pasteur d'aller me chercher des pierres. Papa Crespin, papa, regardez un peu. Le texte que nous venons de lire, quoi? Car les pierres qu'ont rejetées les bâtisseurs, la pierre qu'ont rejetées les bâtisseurs est devenue la principale. Regardez-moi très bien. Je n'ai pas trouvé de grosses pierres, mais j'estime que ces pierres, Papa Crispin, tu veux construire une maison. Je dis bien, tu veux construire une maison. Dites-moi, quand quelqu'un a l'idée de construire une maison, elle lui sert à quoi? Réfléchissons un peu. Je vais vous amener dans quelque chose. Pourquoi tu veux construire une maison? Hein? Alors, avant d'abord, pourquoi? Non simplement dans le pourquoi, dis-moi. Quel genre de maison tu veux? Qui a déjà eu l'idée de construire une maison, une pièce, une couchinette? Qui a déjà eu cette idée-là? Je suis sûr que nous tous ici, quand quelqu'un pense à une maison,
il voit un pavillon, salle de bain à l'intérieur, commode, oui, ouvrez. C'est-à-dire, dans la construction de ma maison, il y a ce que je pense de moi dans cette maison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je n'ai pas envie d'aller. Tout le monde ici, 90% d'entre nous, en ont marre des HLM. Oui ou non? C'est une maison, oui ou non? Mais pourquoi tu ne la veux pas pour toute ta vie? Parce que tu ne te vois pas finir la vie dans un HLM. Cela veut dire que tu te vois un jour propriétaire. Laisse-moi te dire ce matin, je vais te démontrer comment tu peux devenir propriétaire. Sinon, tu resteras dans ton HLM. Mais je parle d'un HLM spirituel. Quelqu'un m'entend? Mais de ton HLM spirituel proviendra ton HLM. Non, proviendra ton pavillon. Quelqu'un m'entend? Ok, d'accord. Si cette idée est comprise. Donc, la Bible dit que les pierres qu'ont rejetées les bâtisseurs, c'est-à-dire que un homme avait envie de construire une maison, il est allé dans une carrière. Il a pris des pierres. Regardez ces pierres. Elles ne sont pas toutes pareilles. Elles n'ont pas tous la même forme. Mais quand on est allé les chercher dans la carrière, l'idée du constructeur, c'est que ces pierres puissent servir à la construction de la maison qu'il va habiter. Quelqu'un voit mes gestes? Je suis ici, j'ai l'idée de ma maison, je l'ai pensée, je prends l'idée de ma maison, je la donne à un architecte, l'architecte la met sous une forme. Quand je vois déjà les plans, je me dis déjà, mais jusque là je n'ai pas encore de maison, je n'ai qu'une maison dans ma tête et un plan d'un architecte. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Le plan de l'architecte, je le vois, je vois comment, oh, la chambre, ça, alléluia. L'architecte a vraiment reproduit ce que je veux. Est-ce que j'y habite déjà? Est-ce qu'elle est déjà visible? J'ai ma maison, oui ou non? Sous un plan. Mais matériellement, non. La maison maintenant commence, je paye l'argent ou je ne sais pas quoi, moi, on commence à mener les pierres. Je voudrais parler ici de la fondation. Parce que tu ne peux pas penser avoir une maison si elle n'est pas bien fondée. Parce que tout ce qu'elle sera est fonction de la fondation. C'est pourquoi je vais te faire comprendre aujourd'hui qu'il y a des choses que tu as construites avant de poser une fondation. Et comme tu n'as pas posé la fondation, du jour au lendemain, 6 mois après, boh, ça s'écoule. 8 ans après, boh, ça s'écoule, tu te plais. Parce que tu n'as pas veillé à la chose la plus essentielle. Voilà comment donc le constructeur va prendre des pierres. Il amène des pierres. Et puis les bâtisseurs viennent. Et puis, ils prennent une pierre. Le maçon a toujours un petit geste terrible. Il fait ça. Donc, en prenant les pierres, il se rend compte qu'une pierre prend une autre, il la pose dans la fondation. Il prend une autre, il la pose dans la fondation. Je voudrais qu'ensemble, tu puisses t'imaginer que tu es cette pierre. Alléluia. On est allé te chercher dans la carrière, oui ou non? Tu as demandé qu'on vienne te chercher, oui ou non? Mais quand on arrive avec toi pour commencer la construction, quelqu'un. Parce que ces 10 ans maçons estiment que tu ne vaux rien. Il prend, il te jette. Donc nous tous, nous nous positionnons ici. Commençons un peu à réfléchir sur cette pierre. Que pense-t-elle de ces pierres-là? Elle se dit, ah, pourquoi moi et pas... Qui n'a jamais pensé ça? Nous tous, nous sommes cette pierre ici, là. Ah! Il nous a tapé comme tout le monde. Mais moi, il m'a mis de côté. Cette pierre se sent non simplement
elle a été rejetée, mais elle se sent inutile. Elle se dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui a dû se passer qu'on ne me prenne pas? Elle se sent culpabilisée. Elle se sent pointée du doigt. Elle se sent accusée de quelque chose. Je ne sais pas si tous les mots que j'utilise, tu te retrouves là-dedans. Dans cette pierre, il y a plusieurs idées. Mais l'idée qui l'a fait le plus mal, c'est qu'elle a été enlevée du groupe qui sert à construire. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, cette pierre, donc dans la future maison, je n'ai pas de place. Elle est donc condamnée à ne pas être, à faire partie. Alléluia. Laisse-moi te dire ce matin. Les gens qui t'ont condamné très vite. Ah non, quelqu'un ne m'entend pas. On t'a condamné très vite. C'est comme ça que la parole de Dieu nous dit que les bâtisseurs bâtissent. Mais il y a quelque chose de très important, la Bible dit. La pierre qui a été rejetée est devenue. Oh, dis à ton voisin de venir. Dis à ton voisin de venir. La pierre qu'on a rejetée est devenue. C'est-à-dire qu'on a commencé à construire. La maison a commencé à monter. La maison a commencé à prendre forme. Les gens avaient l'intention d'y habiter. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il manque quelque chose. Et la chose qui manque, c'est celle qu'on a mis de côté. Laisse-moi te dire ce matin que tous ceux qui t'ont mis de côté, dans quelques instants, ils vont aller te chercher. Il faut qu'ils te cherchent. C'est-à-dire que dans la construction de la maison, on s'est rendu compte que la solidité de cette maison n'est pas valable. Si celle qu'on a jetée, on ne va pas la récupérer. Laisse-moi te dire ce matin, si ta famille tiendra, elle ne tiendra pas sans toi. Non, quelqu'un ne m'entend pas. Ce matin, je vais prêcher. Bien-aimé, s'il y a des affaires autour de toi, elles ne fonctionneront pas sans toi. Ceux qui ont dit que toi, tu ne vaux rien. Papa, je les plains ce matin. Je les plains terriblement. Parce qu'ils ont raté les plus grands stratèges de la famille. Ceux qui jouent avec toi, ils ratent les plus grands riches de la famille. Ça veut dire quoi? Ce sont des pierres, oui ou non? Toute cette construction s'est retrouvée non valable. Parce qu'il manquait une pierre. Dis à ton voisin, il y a pierre et pierre. Quelqu'un m'entend? C'est-à-dire que toutes ces pierres ici, on nous a pris ensemble. Ah non! Nous sommes nés le même jour. Nous nous sommes convertis le même jour. Nous avons fait les mêmes études universitaires. Mais je ne suis pas comme toi. Nous portons le même nom. Nous sommes issus de la même tribu. Nous parlons le même français. Mais je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas comme toi, mon frère. Nous portons, nous tous, les mêmes costumes. Mais je ne suis pas comme toi. On les a pris toutes dans la même carrière. On les a amenées toutes auprès des mêmes bâtisseurs. Les bâtisseurs ont misé sur toutes ces pierres. Mais quand la construction s'est posée, les bâtisseurs s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui manque. La maison ne tient pas. Elle est fragile. On doit aller chercher qu'est-ce qui va solidifier la maison. La pierre qui a été rejetée. C'est-à-dire qu'on a fait recours à la personne qui a été rejetée. Dans quel domaine de ta vie tu te sens rejeté ce matin? Laisse-moi te dire.
on viendra te chercher. On ne cherchera pas quelqu'un d'autre. Je continue. C'est-à-dire que la personne qui a jeté cette pierre a donné à cette pierre des raisons qui ne sont pas valables. On l'a jetée en se disant elle n'est pas une bonne pierre, mais elle est restée pierre. Le problème avec nous, c'est que si quelqu'un nous rejette, nous croyons que nous avons changé. N'admets pas ce matin que quelqu'un te qualifie autrement que ce que tu es. Le bâtisseur a dit à cette pierre, tu ne vaux pas pour moi. Tu ne me sers à rien. Un, il l'a dévalué. Deux, il a sous-estimé. J'ai cherché des petits mots comme ça. Écoutez-moi bien. Pour que peut-être que quelqu'un se retrouve bien dans ce que j'ai dit. Deux, il a mal évalué. Trois, il a négligé. Quatre, l'a vite condamné. Cinq, n'a pas pris le temps de savoir quel genre de pierre elle était réellement. Quel genre de pierre elle était? Daf, laisse-moi te dire, mon cher fils. Peut-être que depuis que tu es avec Aline, tu n'as pas encore su quel genre de femme elle est réellement. Mais ça veut faire, nous venons de célébrer 10 ans. Là, ça devient sérieux. Ça ne peut être qu'un silence, ça. C'est-à-dire que le bâtisseur s'est dit, a donné à la pierre une valeur, mais que la pierre, selon le bâtisseur, la pierre n'avait pas. Mais dans la réalité, la valeur était là. Papa, les gens peuvent regarder ta forme. Parce qu'un jour, vous avez fait une affaire, ça a échoué. Ils prennent cette affaire-là. Ils disent que c'est un homme qui ne fait rien de bon. Ils ont vu l'affaire. Ils ne connaissent pas la consistance. Je parle ce matin de la consistance. Bien-aimé. Le bâtisseur s'est dit, cette pierre, on ne peut pas l'appeler pierre. Parce que pour moi, le bâtisseur, les pierres, ce sont celles-là. Elle, je ne sais pas quel nom je vais lui donner. Mais pour que je montre à cette pierre que je ne veux pas qu'elle soit, elle fasse partie de ces pierres, je l'enlève d'ici. On t'a éliminé avant le temps. Alléluia. Mais laisse-moi te dire ce matin, mon frère, ma soeur. Toi, tu crois qu'on t'a éliminé. Mais Dieu te prépare à revenir en force. Dieu te prépare à revenir en force. Alors maintenant, fais la liste de tous les endroits où on t'a éliminé. Dis-toi simplement, je suis parti là où Dieu est en train de me donner la forme pour que je revienne plus fort que ce que l'on a pensé de moi. La Bible dit que celle-là est devenue la principale de l'âme. C'est-à-dire qu'on a pris toutes ces pierres. Regardez-moi bien. On les met ensemble. On met du ciment. On revient le soir. Le constructeur dit, oh, la chose qui ne va pas. Il prend encore. Celle-là, elle a jeté. Ça a l'air de tenir. Demain matin, ah, il prend encore. Six mois après, le constructeur comprend que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui peut tenir ces pierres. Dès qu'il prend, il la met. Automatiquement, tout ce qui était fragile tient bon. Dis-moi,
Ma soeur, ma fille, laisse-moi te dire. Dis-toi que l'homme qui va s'hasarder à te draguer, il rencontrera la plus belle femme de sa vie. S'il a connu 100 femmes, ça sera la principale de l'âme. C'est-à-dire qu'il te drague, s'accroche à toi. Il ne peut pas partir. C'est-à-dire que toi, les déceptions n'existent pas. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ça devenir la principale de l'âme. Ça veut dire que tu, moi là, tu me dragues. Tu ne connais pas l'idée que je me fais de moi. Je suis déjà allé à la carrière de Dieu. Dieu m'a tapé avec la parole sous toutes les formes. J'ai appris à devenir une meilleure femme. Tu, toi qui t'hasardes à me draguer, si tu es animé de l'esprit de décevoir les filles, tu t'es trompé. Elle dit que moi, tu ne me décevras pas. Parce que moi, je suis indécevable. Alléluia. Et que même par hasard, tu me dragues, tu me laisses une semaine. Là où tu iras, tu ne dormiras pas. Parce que le Dieu là qui m'a gardé dans sa présence va aller te tenir là où tu es pour dire, hé frère, celle-là que tu penses être la bonne, ce n'est pas celle-là. Rentre. Non, là personne ne m'entend. Là personne ne m'entend. C'est ça devenir la principale de l'angle. C'est-à-dire devenir l'incontournable. Je suis venu te dire ce matin que longtemps tu as pensé que tu n'étais pas incontournable. Je t'informe ce matin que dans la pensée de Dieu, Dieu t'a créé pour devenir l'incontournable. L'incontournable dans ton travail. L'incontournable dans tes affaires. L'incontournable. C'est-à-dire que chaque fois qu'on t'enlèvera, on te met à côté, tout ce qu'on entreprendra aura des problèmes. Quand on vient, on te prend, les choses commencent à marcher. Dis à ton voisin de venir. Alléluia. C'est ce qu'un homme pense de lui-même. C'est cela qu'il est. Alors il y a quelque chose de terrible dans cette pierre. Avant qu'on ne vienne la chercher, écoutez-moi bien. La Bible dit, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'angle. La Bible ne dit pas, la pierre que les bâtisseurs ont dit qu'elle ne valait pas la peine est devenue la principale de l'angle. La Bible dit, autant celles qui sont restées sont des pierres, autant celles qui ont été jetées, restent une pierre. C'est-à-dire que mon frère, ma soeur, ce que tu penses, c'est ce que tu es. Amen. Si cette pierre commence à dire, je ne suis plus pierre parce que X m'a jeté, elle donne raison, bien-aimé, elle est restée pierre. Elle n'est pas devenue brique. Parce que tel a dit que. Elle a gardé sa nature de pierre, même si quelqu'un a dit qu'elle n'avait pas les valeurs. Elle est restée pierre, malgré ce qu'on dit d'elle. Le problème avec toi et moi, nous quittons les d'être de pierre. Nous devenons des bois, nous devenons des plastiques, nous devenons des verres, parce que X a dit, reste ce que tu es, même si quelqu'un dit que tu ne l'es pas. C'est-à-dire que le bâtisseur a dit que cette pierre ne vaut rien, mais la pierre s'est dit, je suis toujours pierre. Alléluia. Donnez-moi tous les noms que vous voulez. Tu m'as tenté qu'avec un petit truelle, tu me juges. Tu n'as pas même pris, tu n'as même pas pris le temps de me poser. Tu m'as jugé trop vite. Bien aimé, les gens t'ont jugé trop vite. Alors parce que
Parce que le bâtisseur a dit, maintenant je suis comme cette pierre, comme toi et moi. Que voulez-vous que je fasse? Si vraiment j'étais important, pourquoi on m'a jeté? Elle commence à laisser à l'appréciation du bâtisseur de la définir. Quelqu'un m'entend? Comme on a dit que je ne vaux rien, donc je ne vaux rien. Comme on a dit que je ne sers à rien, donc je ne sers à rien. Comme on m'a rejeté, c'est-à-dire qu'on ne m'aime pas. Le grand danger d'une personne rejetée, c'est qu'elle nourrisse les pensées qu'on a collées sur son dos et qu'elle commence à se comporter en conséquence. C'est ce qui va tuer cette pierre, c'est l'amertume. Alléluia. Écoutez-moi. J'ai dit que parmi ici, il y a deux beaux gars dans le monde. Vous avez un devant vous. S'il y a deux beaux gars dans le monde, vous avez un devant vous. C'est ce que je me dis de moi. Si toi, tu prends ça comme étant... Ce n'est pas de la publicité. J'ai dit ce que je pense de moi. Mais malgré mon beau costume là, malgré tout ce que je déclare sur moi, là, je peux être atteint de la maladie qui s'appelle l'amertume. Quelqu'un m'entend? L'amertume quand tu te dis je suis beau, l'amertume n'est pas dehors. L'amertume est en. Quand tu te dis je suis beau, l'amertume se lève et dit tu as vu ta calvitie. L'amertume ne te dit pas ce qui est dehors. L'amertume te dit des choses qui sont vraies. Quelqu'un m'entend? Beau, 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 beau. Tu ne sais pas que les hommes avec les calvities sont des moches? Tout d'un coup, je commence à douter dans moi-même. Je dis, au fait, c'est vrai. Je me dis que je suis beau. Allez, je prends le miroir. Et je vous dis que ce jour-là, ça va être comme un miracle. La calvitie va être la plus grande ce jour-là. Dès que je regarde le miroir, je vois donc qu'elle est bien. Donc je me dis... Donc l'idée là qui me dit que je suis beau, c'est une mauvaise idée. Parce qu'elle n'a pas vu ma calvitie. Donc du coup, l'amertume me prend. De là où je me crois être, elle m'amène là où elle veut que je sois. Dans mon beau costume, avec des déclarations, papa qui se met des déclarations vaines, des slogans. Je suis la tête et non la queue. Dieu a dit. Mais dès que tu dis ça, l'amertume te prend. Tu as dit quoi? Dieu a dit. Viens un peu ici à côté. L'amertume te tire et te dit. Tu oublies que tu avais fait un jeûne de 6 jours. Tu as vu Dieu te répondre. Tout d'un coup, tu doutes. Tu dis, mais c'est vrai? Quelqu'un m'entend? J'ai envie de prêcher ce matin. J'ai envie de prêcher ce matin. Voilà pourquoi, de temps en temps, nous nous disons, mais Dieu, pourquoi tu n'agis pas? Alléluia. Ne laisse pas l'amertume te façonner et te modeler. L'amertume va te donner une forme. Mais la réalité, c'est quoi? Le bâtisseur d'Af a voulu donner, a donné, pas même voulu, a dit à cette pierre, tu ne vaux rien, tu ne me sers pas, tu es nul. Mais la pierre elle-même s'est dit, tant pis, merci, bravo pour ta déclaration. Mais si tu ne sais pas que tu as rejeté une pierre,
Tu m'as rejeté pour des raisons qui sont les tiennes. Mais moi, je sais qu'en moi, ma densité de fer reste la même. Si demain on vient me chercher, on se rendra compte qu'il y a une valeur qui est toujours en moi. L'amertume vient et étouffe les valeurs qui sont en toi. Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi je dis, ne laisse pas l'amertume te façonner. 90% de chrétiens qui ont été rejetés. Voyez ça? Dès qu'on l'a mis là-bas, on ne m'aime pas. On est contre moi. On m'a ensorcelé. Vous pouvez jouer avec moi? Si tu étais à la place de cette pierre et on te jette, dis-moi, tu vas dire quoi? Dis-moi. Ne dis pas ce que moi je t'ai dit. Dis ce que tu t'es dit toi-même. On m'a abandonné. Sali. Même raciste pour aller un peu au-delà. C'est-à-dire que quand on est dans cette position, on s'accable par rapport à l'acte que le monsieur a posé. On commence à se définir en fonction de l'acte que le monsieur a posé. Comme le monsieur m'a jeté, donc, dès que tu penses comme ça, je te dis que toutes tes prières, je dis bien, toutes tes prières n'iront nulle part. Parce que Dieu dit, tu es ce que ta pensée nourrit. Mais quand on te jette, tu deviens ce que la pensée de l'autre nourrit en toi. Du coup, tu dis quoi? Dieu, tu es un menteur. Le monsieur là, il a raison. Comment veux-tu aller prier quelqu'un dont tu dis qu'il est menteur? Voilà pourquoi nous faisons plusieurs prières. Dieu nous regarde et dit, oh, qui prie là? La personne là qui me traite de menteur là, qui ne sait même pas qui je suis, je lui ai dit qu'il doit être le produit de ce qu'il pense. Mais on a dit qu'elle ne vaut rien, elle est devenue le produit de celui qui lui a dit. Donc elle m'a pris moi, elle m'a mis de côté, et elle est en train maintenant de quoi? C'est comme ça que vous trouvez des gens, nous trouvons des gens. Papa André qui t'a fait ça? C'est le pasteur qui m'a fait ça. Papa, tu es devenu le fabricateur, le produit du pasteur. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, Dieu n'est pas un réparateur. Dieu n'est pas un mécanicien. Dieu est le fabricant. Dieu n'est pas mécanicien. Dieu est le fabricant. Mais nous pensons que Dieu est un mécanicien. Ça, c'est le rabaisser. Parce que le mécanicien, il y a des domaines où il est incompétent. Mais le fabricant, il connaît l'origine. Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi je te dis ce matin, ne laisse pas l'amertume te façonner. Ne laisse pas l'amertume te modeler. Donc, tes propres idées peuvent devenir tes propres prisons. Écoutez-moi bien. À la sortie de ce message, tu dois changer. J'ai dit, tu dois changer. Si tu ne changes pas, je crois qu'il faut que tu viennes me voir. Nous allons un peu gêner. Parce que là, ça fait, la Bible dit, cette sorte de démon ne sort que par des jeûnes et des prières. Ça veut dire que tu auras dépassé un stade où je ne sais pas ce qu'il faut faire. Il faut peut-être t'imposer les pieds. Parce que les mains n'auront pas suffi. La bouche du pasteur n'aura pas suffi. Il faut une autre méthode. Je veux qu'à la fin de ce message, tu changes. Tes propres idées sur toi-même sont tes propres prisons. Avant qu'on te mette en prison, tu te mets toi-même en prison.
il y a des maris qui sont en prison dans leur propre maison. Il y a des femmes qui sont des prisonnières dans leur propre maison. Il y a des hommes et des femmes qui sont prisonniers de leur propre argent. C'est ce que tu penses de l'argent que l'argent fait sur toi. Quelqu'un m'entend? Bien, mais je veux révolutionner la vie de quelqu'un ce matin. Tu es l'argent dont tu as souffert comme ça. C'est l'argent-là qui est ta prison. Quand l'argent, tous, toi aussi, l'argent te contamine toutes les maladies du monde. Et tu deviens aussi malade. Donc, l'argent, tu dis, gauche, à vos ordres d'argent. Debout. Oui, monsieur l'argent. Assis. Oui, argent. C'est pourquoi la Bible dit, l'argent doit être un serviteur. Et non un. Mais, ça veut dire quoi? C'est une idée de qui commande et qui ne commande pas. Il y a des gens qui sont prisonniers. Dans leur propre maison. Il est prisonnier. Tes propres idées peuvent devenir tes propres prisons. C'est-à-dire que un jour, quelqu'un a pris l'idée, piqué par je ne sais quelle mouche, piqué par je ne sais quelle raison, valable soit-elle, et m'a rejeté. Mais ne m'a pas déformé. M'a rejeté, mais ne m'a pas déformé. M'a rejeté, mais je suis resté le même. Voilà les idées qui me façonnent. Je ne suis pas, je ne fonctionne pas par rapport à ce qu'on m'a dit, mais par rapport à ce que je suis réellement. Quelqu'un m'entend? Regardez-moi. Quand on l'a jeté, la construction a continué, oui ou non? Tout le monde se marie. Écoutez-moi. La construction continue, oui ou non? Elle est là à l'écart, oui ou non? Cela veut dire quoi, elle dit? Qu'est-ce qui fait que tout le monde se marie, moi jamais? Quand tu vois les succès des autres, ça ne te fait pas un peu. Tu ne te compares pas un peu. Alléluia. Je ne dis pas que tu es jaloux, mais tu te dis, Seigneur, pourquoi tu le fais aux autres? Pourquoi tu ne peux pas le faire à moi? Nous étions tous ensemble. Nous étions tous de la même catégorie. Seigneur, on nous a pris tous ici. C'est mon collègue de classe. Je vous ai raconté l'histoire. Daf, nous avons terminé l'université avec un ami, collègue de classe comme ça, papa. À l'époque du deuxième régime de Mobutu, là, lui, il avait des tuyaux. Nous avons terminé les mêmes jours. Une semaine après, pour ceux qui connaissent Kinshasa, je rencontre au boulevard. Quel Abacoste. Abacoste, c'était le costume de chez nous. Abacoste, nous, on appelait ça Abacoste climatisé. C'est-à-dire, il y a Abacoste et Abacoste. Tu le regardes. Oh. À l'époque, on avait des Motorola blancs courants comme ça. Blancs comme ça là. Hein. Il en avait deux. Comment? Télécel, voilà. Deux. Il sort de la voiture avec un garde du corps. Collègue de classe. Même quand, maintenant, tu lui dis bonjour autrement. Tu veux dire bonjour, tu vois quelqu'un qui fait. Terminé le même jour, mais en deux semaines, il est devenu quelqu'un d'autre. Il était engagé à la présidence. Bien aimé. Il était engagé à la présidence. Mais on avait les mêmes diplômes. Quand je l'ai vu, je me suis dit, oui, va à la présidence. Mais le même diplôme qu'on t'a engagé là, moi aussi je l'ai. Le problème avec nous, c'est que quand nous voyons quelqu'un, ce n'est pas par jalousie.
le fait que quelqu'un évolue, nous commençons à nous poser des questions. Nous commençons à remettre en cause notre solidité. Nous commençons à remettre en cause notre foi. Nous commençons à remettre en cause notre relation avec Dieu. C'est comme si, parce que l'autre réussit, ma relation avec Dieu se coupe. Ça, c'est l'amertume qui fait ce travail. C'est-à-dire que cette pierre pouvait se dire, mais les amis avancent. Tout le monde fait le commerce réussi. Tout le monde marie, se marie, ça marche pour eux. Tout le monde prie, ça marche. Pourquoi pas hein? Moi? Mais ce que cette pierre ne savait pas, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui l'a rejeté. Mais il ne sait pas, elle ne sait pas que la personne qui construit a un constructeur. Ah! Que la personne qui construit a un constructeur. Cela veut dire quoi? Elle a dit, je jette la pierre. Le constructeur a dit, les idées que tu as sur cette pierre-là, je ne suis pas d'accord avec toi. Va me chercher cette pierre-là. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi, je suis venu ce matin te parler d'un constructeur. C'est celui qui s'appelle Jésus. Quelqu'un m'entend? C'est Jésus dont je te parle ce matin. Il n'a que faire. Les maçons là pouvaient lui dire, boss, ils pouvaient lui dire, mais patron, j'ai tapé la pierre. J'ai des critères, comment on dit, techniques. Dans ma technicité, dans mon analyse géologique, les pierres qui sont constituées comme ça. Mais patron, tu sais que normalement, ils ne peuvent pas servir. Il dit, moi je suis plus que la géologie. La géologie dont toi tu te réfères, moi je l'ai inventée. Donc une pierre qui n'a pas de force selon toi, moi, je suis celui qui donne à la... Toi tu es celui qui constate les faiblesses, mais moi je suis celui qui répare ou qui donne les faiblesses. Parce que je ne suis pas réparateur, je suis fabricant. Tu me dis que la pierre n'a pas de densité. Calme-toi, je vais lui donner la densité. Quelqu'un m'entend. C'est-à-dire que quelqu'un, je ne sais pas combien de temps la construction a pris, mais quelques temps après, la pierre qui a été rejetée est devenue. C'est-à-dire quoi? Elle a quitté l'endroit où on l'avait rejetée, elle a rejoint. Les autres avaient semblé aller de l'avant, oui ou non? Pardonnez-moi, en lingala, on dit qu'okendeli bosso, ezali kokomate. C'est là, lingala, on veut dire que partir le premier ne veut pas dire que tu es plus que moi. Laisse les gens aller. Laisse-les avoir. Cette pierre, regardez, oui ou non. Elle se construisait, oui ou non. Elle montait, oui ou non. On l'a déjà choisi, oui ou non. Mais elle, il n'y avait personne. Mais quand le constructeur a décidé, le constructeur l'a pris pour dire, ne t'en fais pas pour ceux qui ont commencé avant toi. Ne t'en fais pas pour les gens qu'on a jugés trop vite avant toi. Moi, je suis capable de te remettre dans la danse. Mais ton rôle dans la danse sera un rôle différent. Elle dit, toi, quand tu arrives, tu vas démontrer aux autres que sans toi, les choses ne peuvent pas marcher. Laisse-moi te dire, ce que je voudrais te dire maintenant, c'est dire que même si je suis rejeté, les choses seront différentes. Dis à ton voisin, les choses seront différentes. Les choses seront différentes. Dis à ton voisin, les choses seront différentes. Bien-aimé, si après cette prédication, tu ne changes pas, tu as un problème. Dis à ton voisin, les choses seront différentes. Mais l'amertume, c'est quoi? C'est le produit des échecs, des fautes, des péchés. C'est le produit de toutes ces choses. Bien-aimé, lorsque Dieu vient dans la vie de quelqu'un pour le rendre libre,
l'amertume vient pour t'enchaîner. Quand Dieu vient pour te rendre libre, c'est pourquoi, bien-aimé, je redis encore ici à haute voix, les sorciers existent. Mais tu peux être ton propre sorcier. L'amertume, aucun sorcier ne la met dans ton cœur. C'est toi-même qui mets l'amertume dans ton cœur. L'amertume est le produit de quoi? De nos échecs, de nos déceptions, de nos trahisons, de nos disputes, de nos... Tout ce que nous faisons ça, quand tu te chamailles, on se chamaille avec Papa André, ta, 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 ta. Et puis à la fin, on se dit que le Dieu nous bénisse. Bon, on se demande pardon. Amen. Ok, d'accord. Tout le monde a vu que j'ai demandé pardon à Papa André. On a prié ensemble, oui ou non? Nous partons à la maison. L'amertume dit, bon, maintenant, vous, vous avez prié ensemble. Laissez-moi maintenant faire mon travail. L'amertume vient et dit à Papa André. Il va faire que Papa André va se souvenir simplement d'un petit mot. Papa André, si tu joues avec moi, pendant maintenant qu'il est à la maison, nous nous sommes demandé pardon. Nous avons prié ensemble. L'amertume vient. Et lui redonne le cinéma de la discussion. Et l'amertume lui dit, ne joue pas avec moi. Et puis l'amertume lui dit, il t'a demandé pardon. Alors qu'il a dit que ne joue pas avec moi. Son pardon n'est pas vrai. Ça, l'amertume travaille où? Chez lui. Alors que nous nous sommes déjà demandé. Le lendemain matin, Papa André vient. Dès qu'il me voit. Bonjour Papa André. Froid. Froid comme la glace. Alors que hier, on s'est demandé pardon. Qu'est-ce qui fait que, après le pardon, au lieu que nous soyons bien, qu'est-ce qui fait que le froid continue? L'amertume. Quelqu'un m'entend? L'amertume est allée travailler. Parce que l'amertume s'est dit, ces gens se sont demandé pardon. La Bible dit que quand deux personnes se mettent ensemble, et puis Dieu fait des grandes choses. Quand Dieu maintenant commence à faire quelque chose au travers du pardon, l'amertume dit, là je suis vaincu. Je vais maintenant chercher quelle méthode pour annuler leur efficacité. Bien-aimé, je peux te dire ce soir, je vais te le montrer dans quelques minutes dans ma conclusion, à partir du moment où l'amertume habite dans ton cœur, je te dis, tu ne t'appelles pas chrétien. Comme dit mon ami Badinga, tu t'appelles crétin. Alléluia. C'est ça l'amertume. Les disputes. Les incompréhensions. Toutes ces choses-là vont dans ton cœur et créent ces sentiments. On appelle l'amertume. L'amertume agit pendant nos nuits. Le terrain de prédilection de l'amertume, c'est le lit. Dès que tu mets la tête, l'amertume dit viens. Il commence à faire les défilés des gens qui t'ont insulté. Au lit. L'amertume vient faire le défi. Tu vois celui-là. La Bible dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Ça, c'est pas d'abord la Bible qui dit ça. C'est toi qui dis ça. Parce que l'amertume commence maintenant à te parler. Là, au lit, comme ça. Ce que tu oublies, c'est que l'amertume, il est 23h30, il est 3h du matin. Tu ne te rends même pas compte que tu ne dors pas. Tu penses que tu réfléchis. Je te dis que tu ne réfléchis pas. Tu es prisonnière de l'amertume qui t'a enlevé le sommeil. Alléluia. Nos nuits sont troublées. Et puis, quand l'amertume fait ça à 2h, à 3h, à 4h, à 5h du matin, tu te retrouves sans sommeil. À 5h30, tu décides de prier. Fausse prière. Quelqu'un m'entend? Fausse prière. Tu es insomniaque.
d'être en amertume. Alors pour combler ton temps, tu commences à prier. Et 90% de ta prière, le cœur, il est gros comme ça. Même toi, même si tu es honnête, tu vas voir que tu ne décolles même pas dans la prière. C'est trop lourd. Parce que dès que tu mets un petit mot, alors là, on pense qu'on est dans la présence de Dieu. On est lourd. Oh, quelqu'un m'entend. On est lourd. L'amertume a déjà occupé toute la chambre. Il a déjà envahi l'atmosphère. Nos nuits sont troublées. Le cœur est lourd. L'amertume vient. Et maintenant, s'il ne te passe pas la scène, il te passe maintenant tous les mots. L'amertume commence. Sur ton lit, tu as la colère du pasteur comme s'il était devant toi. J'aime. Sur ton lit, tu as la haine de ta mère qui est au Congo, comme si elle était devant toi. Sur ton lit, tu graisses les dents contre X, Y qui ne sont pas dans ta chambre. C'est-à-dire que ton amertume t'amènera là où tu es tous ceux que tu ne veux pas qu'ils soient avec toi. Et comme ce sont ceux que tu ne veux pas qu'ils soient avec toi, ils vont perturber tes nuits. L'amertume, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a réveillé. Oh, quand je me suis dormi comme ça, tout d'un coup, j'ai senti comme quelque chose qui m'a dit de me réveiller. Non. Alléluia. Amen. Notre cœur est lourd. Nos nuits sont troublées. Nous perdons sommeil. Sur le lit là, nous nous posons question sur question. Alléluia. Alors par hasard comme ça, si c'est les mariés, et puis, Fonda, qu'est-ce qu'il y a? Ça va bien, ça va bien. Je médite. Alléluia. Le spirituel est devenu tellement comme quelque chose que nous pensons. Dieu regarde comme ça et dit, mais tu ne médites pas. Alléluia. Sur notre propre lit, nous sommes en combat avec nos propres pensées. Les pensées que nous avons laissées nous dominer. Ces pensées-là nous viennent sur le lit. Bon. Tu as vu que quand tu lui as demandé pardon, tu as vu le geste qu'il a fait. Tu avais demandé pardon sincèrement. Mais l'amertume rappelle quelque chose. Toi qui avais demandé pardon sincèrement, là sur ton lit, tu décides. Même si je lui ai demandé pardon, vaut mieux qu'il soit loin de moi. Vrai ou faux? L'amertume. Alléluia. Nous combattons avec nos propres pensées. Nous combattons avec nos propres déceptions. Nous combattons avec nos propres échecs. C'est cette jeune fille ou ce jeune garçon. On l'a déçu il y a 7 ans, il y a 8 ans, il y a 9 ans, il y a 10 ans. Mais à 10 ans après, elle est prisonnière de sa déception. Un jour, c'est vrai, le Saint-Esprit la réveille. Elle déclare, je dois me marier, je ne sais pas, je suis guéri des blessures de la déception, je suis ceci, je suis ceci. Le matin, elle se réveille, alléluia, elle a un peu la forme. Dès qu'elle veut mettre le maquillage comme ça, l'amertume vient dire quoi? Je t'ai laissé parler toute la nuit. J'ai entendu tous les versets que tu as fait. Vraiment. Regarde-toi bien. Ce que cet homme t'a fait là, tu crois vraiment. Les hommes, fais attention.
tout d'un coup, le rouge à lèvres devient, la main devient. Pourquoi je veux faire encore belle? Comme si ta beauté dépendait de celui qui t'a déçu. Ma soeur, ta beauté dépend de celui qui t'a créé. Voilà comment celui qui t'a déçu est devenu maître de ta beauté. Il commande même ton rouge à lèvres que tu as acheté toi-même. Quelqu'un m'entend? Si tu n'es pas délivré de cette prédication, tu as un problème. L'amertume commence à commander ta main. Et parfois, tu mets le rouge à lèvres, ça passe ici. Ça passe ici. Tu ne te rends même plus compte. C'est quand tu sors. On dit, mais cette fille n'est plus normale. Ma soeur, tu es normale. Mais l'amertume. Tu n'as plus, comment on dit, la dextérité. Les soins là-dedans. Allez, dites-moi. Tire-cil. Au lieu de couper bien comme ça, tu vas couper un peu ici. Un peu, puis ça fait des... Alors quand maintenant, un garçon s'approche de toi. C'est l'amertume qui est rentrée dans ta main. Au moment où tu coupes comme ça, l'amertume te dit, pourquoi tu vas encore te donner la peine? On t'a déjà déçu. Laisse-le comme ça. Alléluia. Ma soeur, je t'ai dit, l'amertume. Tu mets un beau tailleur. Tu mets une belle jupe. L'amertume dit, si je la laisse mettre des belles chaussures, elle va éclater. Je te dis, maintenant, tu te regardes les mains la montre comme ça. Il est 9h. Tu prends les chaussures les plus mauvaises là. Quand on regarde ta robe, ta tenue, tes chaussures, on dit ah. L'amertume. Bien aimé, je suis en train de vous parler. J'ai dit dans ma prière ce matin, Seigneur, je t'offre mon cœur ce matin. L'amertume va te faire mettre des mauvaises chaussures. Dès que. Mais maintenant, il y a un problème. De concordance. L'amertume. Alléluia. Ma soeur, je peux te dire que l'amertume peut te faire oublier de mettre de l'huile. Tu deviens terne. Ta peau devient comme une vieille. Laisse-moi parler ce matin. L'amertume, c'est une prison si tu ne sors pas d'elle. L'amertume. Alléluia. L'amertume va te faire commettre une erreur. Pas sur quelqu'un, sur toi. Et c'est cette erreur-là qui va te tuer. C'est l'erreur fatale. L'amertume. Alléluia. Nous combattons avec nos propres déceptions, nos propres échecs. Ce sont ces choses qui meublent notre vie. C'est comme ça qu'on nous voit, on marche. Mais on est modelé par nos échecs. Tu achètes un journal. Tu achètes un journal. Cherche jeune cadre diplômé. Longue expérience, tu as toutes ces conditions. Tout d'un coup, l'amertume te dit, combien de demandes tu as fait? L'amertume te rappelle bien, dit, tu as fait 64 demandes. Aucune demande n'a fonctionné. Tu prends le journal. L'annonce passe. Alléluia. L'amertume te coupe l'envie de te battre. L'amertume te dit, à quoi ça sert encore? Tu vas encore tenter la chose que tu as échouée.
C'est l'amertume qui dit à une femme, tu crois vraiment que si tu continues à être sa femme, ça ne sert plus à rien. Va-t'en. L'amertume te désarme. L'amertume t'enlève ta densité. L'amertume t'enlève ton identité. L'amertume t'enlève la relation que tu as avec Dieu. L'amertume te rend vulnérable. L'amertume. Alléluia. Ta vie est meublée par tes amertumes. Je aime ça, ouais. Ah, Esther. La vie, c'est comme ça. L'amertume va meubler toute ta vie. Va meubler tes activités. Va meubler tes réactions. L'amertume va meubler tout ça. L'amertume. À cause de l'amertume, bien aimé dans le Seigneur, tu vas te réveiller le matin joyeux, joyeuse. Tu arrives auprès des amis, l'amertume te donne une mine. Puis tout d'un coup, les amis qui s'attendaient à ce qu'on va, on va manger, on va faire un seul. Et puis tout d'un coup, tu deviens. On commence à dire, ma bouche, qu'est-ce qu'il y a? Nous, on est venus pour manger. Oh. Je n'ai pas envie. Tout d'un coup, l'ambiance s'abîme. L'amertume abîme les ambiances. Ma soeur, tu peux être d'accord avec moi. Ça peut arriver qu'un soir, vous êtes chamaillé avec ton mari. Pendant la journée, le soir, vous demandez pardon. Mais dès que tu restes la journée, l'amertume vient. Tu dis quoi? Et il va revenir à 17h. Et puis tu vas encore lui faire un bisou. Mais toi, tu ne réfléchis pas, toi. Dès que l'amertume est rentrée, sale, tu piques la colère. Dès qu'il ouvre la porte, l'amertume dit, maintenant, je t'attends maintenant. Montre-moi que tu es une fille. Si tu le laisses agir, tu es poltronne. L'amertume ne rentre pas. Et puis dès qu'il rentre, tu ne sais pas ce que tu m'as fait le matin. L'ambiance, tout d'un coup, s'abîme. La maison devient invivable. Si vous cherchez très loin, l'amertume est allée s'asseoir et dit, bon, là, je vais les commander. L'amertume fait que tu n'écoutes plus. Parce que tu vas commencer à écouter que la voix de l'amertume. Comment ce qu'on t'a fait là? Et vraiment, tu crois que ça peut se passer comme ça? Tu crois que ça se résout avec un simple pardon? Tu commences à exiger qu'on résolve les problèmes autrement que selon la parole de Dieu. Quelle est la procédure du pardon? C'est de parler. Il y a une autre procédure. Maintenant, tu vas commencer à trouver que parler, ça ne vaut rien. Il faut faire autre chose. Quelle autre chose tu veux qu'on fasse? Bien-aimé, l'amertume va te faire façonner des idées et des stratégies, l'amertume. Tu vas commencer à trouver que la parole de Dieu est insuffisante. Il te faut autre chose. L'amertume va faire que tu as du mal à écouter même un conseil. Tout ce qu'on te dit devient un fardeau. Vous ne me comprenez pas. Vous ne savez pas ce que je vis. Vous ne vivez pas ce que moi je vis. Je te dis que tu es malade d'amertume. Notre cœur a été atteint à tel point que nous sommes devenus incrédules. Quelqu'un qui est attaqué par la maladie qui s'appelle l'amertume. Tu peux lire 100 versets. Ça passe plus. Mais un chrétien de 20 ans, un pasteur, une choriste, un ancien, un prédicateur. L'amertume va attaquer une chose dans ta vie.
ton estime. L'amertume va venir, va te taper. Regarde ton estime et puis tape un coup. Dès que ta femme parle, la première chose, tu dis, tu joues avec moi. C'est quoi ça, estime? Alléluia. C'est comme pour dire ta femme, à ta femme. Hein? Allez, allez, calme-toi un peu. Moi, on ne joue pas avec moi. C'est-à-dire que, au lieu que vous soyez des partenaires, vous devenez, moi je suis, toi tu es. Combat. L'amertume va frapper sur ton estime. L'estime, c'est quelque chose où personne ne veut que tu touches. Non, pasteur. Non, pasteur. Je n'ai pas envie de dire certaines choses. Non, pasteur. C'est comme ça que tu trouves une sœur le soir. Elle met 4 cyclistes. C'est comme pour dire, je vais te prouver que j'ai une personnalité. Je ne suis pas quelqu'un avec qui on joue. Alléluia. Alléluia. Quand l'estime a été atteinte, la femme fait un programme. Elle n'a pas besoin de dire à au mari. Je vais lui dire pourquoi. Il est qui pour que je lui demande une permission? Mais toi qui demandais la permission tous les jours avant de partir, tous les soirs, tu lui dis, demain je vais faire ça. Mais quand l'estime est atteinte, terminé. Simplement, tu te réveilles seulement le matin, tu prends les clés, les ceci. Et il suffit qu'il dise, tu vas où? Je vais où, je vais où. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si je mens. Ou si c'est le Saint-Esprit qui ment. Je ne sais pas si c'est moi qui mens ou c'est le Saint-Esprit qui ment. L'amertume va toucher à ton estime. Quand ton estime est touchée, je te dis, tu es capable de tout renverser. Je dis, mais l'estime, ça veut dire quoi? Entre pas pour moins que rien. Laisse-moi te dire une chose que tu ne sais pas. C'est que tu cours un danger. En voulant casser la table, tu risques de te casser. Qui t'a créé des problèmes? C'est le mari. Il a ses pieds en forme. Il reste bien. Mais toi, tu cognes la table. Tu te gonfles. Alors maintenant, il te regarde bien, il dit, ok, d'accord. Toi qui voulais me montrer que tu as de l'estime. Hyper. Le comportement de l'amertume te sanctionnera que toi-même. Alléluia. Je voudrais te dire ce matin que les échecs ne signifient pas que Dieu ne veut pas t'utiliser. Même si tu as échoué, Dieu veut t'utiliser. Mais Dieu veut que tu sois guéri des effets de l'amertume, de tes échecs. Non, des effets de tes échecs. Dieu veut que tu sois guéri de ça. Je voudrais te dire ce matin. Le premier domaine dans lequel tu as besoin de changement, c'est ton cœur et tes idées. Nous sommes le produit de nos idées. Nos relations sont le produit de nos idées. Rien d'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que ça va te choquer. Dieu n'a pas besoin des hommes de foi et des femmes de foi. Oh. Dieu n'a pas besoin des hommes et des femmes de prophétie. Dieu n'a pas besoin des hommes. Dieu a besoin d'un homme ou d'une femme selon son cœur. Quelqu'un m'entend? Mais dans nos églises, nous cherchons la prophétie.
nous cherchons la force. Nous cherchons, mais personne ne veut travailler son cœur. C'est pourquoi j'encourage quelqu'un qui n'a pas encore acheté mon livre. Achète mon livre. Vous savez, je suis vraiment, je bénis le Seigneur parce que je commence à me rendre compte de plus en plus que mon livre a atteint ce que Dieu m'avait demandé de faire. Ce matin, j'ai envoyé un livre à quelqu'un en Afrique, à 3 personnes. Ce matin, ces 3 personnes m'ont appelé, m'ont dit, pasteur, renvoie-nous à chacun, sans se consulter, c'est un peu différent, renvoie-nous à chacun 20 exemplaires. Je vais en faire la promotion. Parce que, pasteur, ce qu'il y a là-dedans, tu as touché à un point central d'une vie chrétienne. C'est le cœur et le caractère. Quand j'entends ça, je dis, Dieu soit béni. Dieu n'a pas besoin d'une femme qui prie en langue pendant 3 ans. Dieu n'en a pas besoin. Dieu n'a pas besoin d'une personne qui a les prophéties du monde entier. Dieu n'en a pas besoin parce que lui-même, il est la prophétie. Il n'y a rien que tu diras que Dieu n'a jamais dit. Il n'y a aucune force que tu auras que Dieu n'a pas. Dieu a besoin de ton cœur. Mais dans nos églises, nous cherchons la prophétie, nous cherchons la force, nous cherchons le Saint-Esprit, nous cherchons tout ça. Mais nous disons, Seigneur, donne-nous ça, mais ne touche pas mon cœur. Laisse mon amertume. C'est comme ça qu'il y a des gens, ils vivent dans l'église pendant 20 ans, son cœur n'est qu'amertume pendant les 20 ans. Aucune prédication n'a enlevé quoi que ce soit. Alléluia. Dieu n'a pas besoin des hommes et des femmes de prophétie. Dieu n'a pas besoin des hommes et des femmes de prière. Dieu n'en a pas besoin. Dieu a besoin d'un homme et d'une femme selon son cœur. Mais je ne dis pas que la prière c'est mauvais. Je ne dis pas que la prophétie c'est mauvais. Mais commence d'abord par laisser Dieu travailler ton cœur. Quand tu vas avoir la prière, tu vas avoir la prophétie, tu vas avoir le Saint-Esprit, je te dis c'est nickel. Et pourquoi bien aimé dans le Seigneur? Un cœur selon Dieu n'a pas besoin d'applaudissements. Un cœur selon Dieu n'a pas besoin qu'on m'invente. Un cœur selon Dieu n'a pas besoin de compliments. Un cœur selon Dieu n'a pas besoin de position. Un cœur selon Dieu, c'est un cœur qui sert. Amen. Point basta. Un cœur selon Dieu n'a pas besoin. Au moins, on ne m'a pas applaudi. Au moins, on n'a pas dit. Je n'ai pas besoin de ça. Un cœur selon Dieu n'a pas besoin d'applaudissements, n'a pas besoin de position, n'a pas besoin d'honneur, n'a pas besoin de congratulations, n'a pas besoin de ça. Un cœur selon Dieu, c'est d'abord plaire à mon Dieu. Tu es le produit des idées que tu te fais sur toi. Alléluia. Cette pierre a été rejetée. Donc je disais que le danger de nos échecs, c'est notre amertume. Alors je voudrais terminer. Je ne sais pas si je vais avoir le temps. Beaucoup, hein. On a décidé de beaucoup parler. Oh là là. Quand tu as l'amertume, tu vis, mais tu ne contrôles rien. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on a l'amertume, j'ai dit que tu vis, mais tu ne contrôles rien. Regardez-moi. Supposons que je suis aveugle. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que l'amertume t'aveuglera. Si je suis aveugle, que
Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Merci. Qui me dit attention? C'est pas moi. Parce que mes yeux fermés me conduisent, mes pieds me conduisent. Je marche, oui, non? Mais je ne sais pas là où je vais. Quand tu as de l'amertume, tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide. Tu es comme un aveugle. Alors souvent dans nos églises, les gens pensent que non. Un aveugle est soit accompagné. Moi, je ne vois pas. Lui, il voit. Qui me conduit dans mon bureau? C'est lui. Ok? Il peut être une aide ou on peut me prendre moi. On le laisse lui. On me prend moi, on me forme. On me donne un petit bâton à l'école des aveugles. On m'a dit que ce petit bâton a été fabriqué de telle manière que quand je commence à aller vers un obstacle, le bâton vibre. Ah, je sens que c'est un obstacle. C'est pourquoi bien vous voyez les aveugles. Il fait des courses à Paris. Il est aidé. Aidé ou par quelqu'un, ou par... Alléluia. Je voudrais te dire, la seule façon d'être guéri de l'amertume, il n'y a pas une autre formule. Il n'y a pas une autre formule. Mais pour que tu acceptes qu'on t'aide, tu dois reconnaître ce que tu es. Pasteur, je suis le produit de ce qu'on a dit que je suis. C'est ce produit-là qui commence à me conduire. Qu'est-ce que je dois faire? Mais dans nos églises, les gens n'aiment pas l'aide. Les gens sont aveugles. Mais se conduisent eux-mêmes. Je dis que quand tu as l'amertume, tu vis, mais tu ne contrôles rien. Deuxième chose, tout ce que l'on peut entendre de toi, quelqu'un qui a l'amertume, tout ce qu'on peut entendre de sa bouche s'appelle plainte, douleur, regret, accusation, justification, complainte. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire ce matin, dès que tu es atteint de la maladie qui s'appelle amertume, ton langage tout de suite, pasteur, je vois qu'il faut que je quitte la cour. Mireille, qu'est-ce qu'il y a? Ah, pasteur. Moi, on ne m'aime pas. Moi, on ne me reconnaît pas. Moi, on ne m'apprécie pas. J'ai dit tout à l'heure que un cœur selon Dieu n'a pas besoin d'appréciation. Amen. N'a pas besoin d'applaudissements. N'a pas besoin. Je ne sers pas Dieu pour que quelqu'un m'applaudisse. Je sers Dieu pour que lui soit content. Que tu m'applaudisses ou que tu ne m'applaudisses pas, ce n'est pas ça mon problème. Je garde mon cœur de l'amertume. Quelqu'un qui a l'amertume, un homme qui a l'amertume, une femme qui a l'amertume, un enfant qui a l'amertume, un serviteur qui a l'amertume, un pasteur qui a l'amertume, un choriste qui a l'amertume, une chrétienne qui a l'amertume. Plainte. Quelqu'un qui a l'amertume ne peut pas construire s'il ne se réfère pas à ce qu'on lui a fait. Quelqu'un qui a l'amertume, c'est toujours il faut faire attention. Hey.
une femme qui a l'amertume sur une discussion avec son mari, vice-versa, ou une discussion avec sa femme, 80% des choses pour lesquelles ils discutent, 79,9, ce sont les choses passées. Mais la chose actuelle n'est que le déclencheur. Mais dès que commence la discussion, tu écoutes pendant 2 heures. Tu sais, toi, tu m'avais fait, tu sais, toi, tu avais dit, tu sais, toi, tu avais fait, 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 tu sais, toi, tu avais fait. Quand tu te rends compte qu'il n'y a que ça, il n'y a que ça. L'amertume a pris place pendant des années. On a prié. Mais quand on arrive devant le Seigneur, on dit, je te donne ma vie, mais je ne te donne pas mon cœur. Je vis pour t'adorer. Touche à toutes les choses de ma vie. Donne-moi des maisons, mais ne regarde pas mon cœur. Ô Seigneur, garde-moi. Alléluia. Bien-aimé, cet aveugle qui est en train de venir, s'il n'y a personne pour corriger sa marche, elle ne rencontre, ce sont les obstacles qui l'arrêteront. Ce n'est pas lui. Le fait de refuser de se faire aider, voilà comment il y a beaucoup de chrétiens. Parfois, tu peux... Tu vois, ici, tu marches. Ça marche bien. Ça marche bien. Une année, 2 ans. La route est tellement finie. Il n'y a pas de... La 4e année. Oh, moi, j'ai toujours été aveugle. J'ai toujours bien marché. Il n'y avait pas d'obstacle. Ce sont les obstacles qui t'arrêteront. Parce que tu n'as pas besoin d'être aidé. Un refus d'aide est une mort assurée. C'est pourquoi la loi même dit, condamne non-assistance à personne en danger. La loi même, le monde condamne ça. Il dit, comment tu as refusé? Tu n'as pas aidé quelqu'un qui était dans l'aide. Allez, pas en prison. Les chrétiens sont spécialistes. Comme j'ai dit il y a quelques semaines, en automédication. Ils boivent des antibiotiques eux-mêmes, se prescrivent des suppositoires eux-mêmes, se prescrivent des lavements eux-mêmes, se prescrivent tout eux-mêmes, tout eux-mêmes. Je crois que mon ventre là a besoin de suppositoires. Allez, tout. Que ça fasse des effets ou que ça ne fasse pas des effets. Alléluia. Alléluia. Tu vis mais tu ne contrôles rien. Tout ce que l'on peut entendre de toi, c'est des plaintes, des complaintes, des douleurs, des regrets, des accusations, des justifications. Quand il y a amertume, le cas de cette pierre-là, tout devient contre toi. Tout. Tout devient contre toi. Tu te sens rejeté. Tout t'irrite. Tout ça t'irrite. Tu es devenu d'une irritabilité. Ça existe, hein? D'une irritabilité, non, d'une sensibilité. À peine, je peux parler un peu? Je vais donner un exemple. À peine, il suffit que Forda dit, je suppose, il est au salon, toi tu es dans la chambre, et puis il dit, Aline, déjà dans la chambre, tu commences à te dire, dès que tu sors, c'est quoi? Il te dit, mais où est le problème? Tu n'as même pas encore entendu ce que je veux dire. Tu es déjà sur les qui-vivent. Tu te dis, bon, comme il m'a appelé là, il suffit qu'il dise seulement ça. Tu as déjà préparé la réponse ici. Aline, je peux avoir de l'eau? Ce jour-là, ça te fait un peu bon. Je dis ça a arrêté. Alléluia. Mais ça, tu as toujours gardé ça.
tu prends l'eau. Une heure après, allez. Bon, peut-être que ça, cette fois-ci, c'est ça. Tu es devenu d'une irritabilité. Tu es devenu d'une sensibilité. C'est-à-dire que l'amertume, tu ne te contrôles plus. Tu crois que tu te contrôles, mais tu ne te contrôles plus. Alléluia. Non simplement tu ne te contrôles plus, mais tu refuses le contrôle. Parce que le problème, c'est que tu es maintenant le produit de l'amertume. C'est l'amertume maintenant qui t'a façonné, qui t'a modelé. Tu ne refuses le contrôle. Cela veut dire que tu veux que quand tu viens me voir, j'accepte. Papa, Corda, c'est le mauvais. Papa, tu veux me donner ta propre définition parce que toi, tu te définis comme le produit des souffrances de Corda. Alléluia. Tout devient contre toi. Tu te sens rejeté. Tout t'irrite. Tu ne te contrôles pas et tu refuses le contrôle. Mais plus grave encore, tu pointes les doigts. C'est-à-dire, moi, j'ai tout fait, mais lui n'a rien fait. C'est-à-dire, la meilleure, c'est moi. Le mauvais, c'est lui. Et si tu ne pointes pas un doigt, tu pointes les cinq doigts. Il n'a que des défauts, 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 que des défauts. Lui. Tout, ça va. Toi, aucun doigt ne fait ça. Tous les doigts vont seulement. Même celui-là qui a des tendances, dès qu'il fait ça, tu fais. Alléluia. Tu t'organises pour qu'il ne fasse même pas ça. Tu trouves des raisons que chez les autres. Ça, c'est l'amertume, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Tu pointes les doigts. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, l'amertume ne choisit pas. Elle s'installe chez les pécheurs comme chez les croyants. Peut-être plus grave chez les croyants. Alléluia. Tu peux être sauvé. Tu peux être sanctifié. Tu peux être rempli du Saint-Esprit. Mais avoir un cœur tellement amer que tout le monde autour de toi s'éloigne. Mais le problème, ce n'est pas que tout le monde s'éloigne. C'est faux. Tu t'éloignes. Jennifer, mets-toi debout et lis-moi le texte. Veillez! Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. Veillez à ce qu'aucune racine. Aucune quoi? C'est-à-dire que bien-aimé dans le Seigneur, quand tu deviens incontrôlable, quand tu deviens amer, quand maintenant tu abîmes tout autour de toi, ce n'est pas ce qu'on voit. Il y a une racine. Quelqu'un m'entend? Et la Bible ici dit ceci. Veillez, pardonnez-moi pour vous qui avez fait beaucoup d'université. Veillez, ça se conjugue à l'impératif. Et que je sache tout impératif, c'est un ordre. Je ne connais pas d'impératif qui ne soit pas désordre. Quand Dieu dit « Veillez !» Ce qu'il veut dire, fais attention à ce qu'aucune racine. C'est-à-dire que Dieu ne traite pas les choses à la superficie. Dieu traite les choses à la... Merci. J'ai beaucoup parlé des racines, des amertumes. Maintenant, je parle des racines. Sinon, tu partiras de cette salle. Tu vas encore trouver des justifications. Ah, les chrétiens sont terribles. Mais Dieu, il est formidable. Tout
ce que je viens de décrire là, ça a une racine. C'est la racine qui produit tout ce que tu fais là. Bien-aimé, le fruit d'un arbre ne sort pas de la branche, ne sort pas de la feuille. Alléluia. Tu touches la racine là, tu n'auras plus ce fruit. Tu coupes ici, le fruit est toujours là. Il sortira un jour. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, quand tu traites un problème superficiellement, je te garantis qu'une année après, il repoussera. C'est comme ça que dans nos églises, on passe de délivrance à délivrance parce qu'on traite des délivrances superficielles. Jamais on a laissé qu'on touche à la racine. Parce qu'on ne veut pas qu'on... Bien-aimé, parce que la racine veut dire ou la vie ou la mort. Je parle sous le contrôle d'un médecin. Pourquoi pour l'opération de l'ongle, on ne dit pas que c'est une opération à risque. Tu as déjà entendu, on va m'opérer ici. Le médecin a dit que c'est très grave. Il y a une seule opération qui est à risque. L'opération du cœur. Le médecin prend toutes les précautions. Parce qu'au cœur, où ça tient, où ça casse. Mon doigt, ça peut, on peut te couper un doigt, ça va aller. Tu vas commencer à marcher comme ça. Alléluia. Ou bien quand quelqu'un te parle, tu fais ça. Tu caches les doigts cachés, coupés. Ça ne te dérange pas. Alléluia. Mais le cœur, je ne sais pas ce que tu vas faire. On t'a déjà enlevé le cœur, tu dis non. Ou tu tiens, ou tu ne tiens pas. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce soir, la racine est dans ton cœur. Mais le problème, c'est que les gens ont peur. Si on touche à ma racine, je vais perdre ce que j'ai envie de garder. Voilà pourquoi je ne laisse pas qu'on touche à mon cœur. Parce que ce sont des choses qui me donnent un peu de personnalité. Si je laisse ça, mon mari va croire, ma femme va croire, mon pasteur va croire, mes enfants vont croire. Non, ça là, je ne veux pas qu'on y touche. J'y garde jalousement. Tout bistouri qui arrive pour aller... Alléluia. La racine ne se voit pas, mais la racine se juge par l'état. Une racine qui est encore fonctionnelle, qui donne la sève, qui donne tous les éléments nécessaires, on voit dans l'arbre. Mais quand il y a un problème dans la racine, on le voit aussi ici. Cela veut dire qu'un arbre peut avoir la forme. C'est exactement la prédication que je vous ai donnée il y a quelques semaines. Jésus arrive, regarde le figuier, a des feuilles, a des branches, tout est tendre, tout est verdoyant. Il n'y a pas de fruits. Nous sommes des chrétiens verdoyants en parler en langue, tendres dans les propos, et ceci dans les attitudes, dans les méthodes, dans l'habillement. J'ai dit l'autre jour là-bas que nous sommes des chrétiens où tout se résout par gloire à Dieu. Ma soeur, comment ça va? Que Dieu te bénisse. Oh, nous allons prier le Seigneur. Mais aucun fruit de tout ce que nous disons. Feuillage et branches. Parce que on ne veut pas qu'on touche à la racine. Bien aimé, la racine, c'est ce qui ne se voit pas. C'est de là que pousse ce que tout l'arbre a. Le seul moyen de guérir un arbre, c'est d'aller à sa racine. Le seul moyen de te délivrer de l'amertume, c'est d'aller à la racine. Sinon, quand tu ne touches pas la racine, tu laisses à l'amertume toute sa puissance.
sa puissance de reproduction. Tu coupes un morceau, 5 ans, ça marche. La 6e année, ça redevient comme par le passé, parce que c'est tout le venin est dans la racine. La puissance de la reproduction n'est pas dans les feuilles. La puissance de la reproduction n'est pas dans les branches. La puissance de reproduction n'est pas dans le tronc. La puissance de reproduction est dans la racine. Si tu ne tues pas la racine, je te dis, tu iras d'échec en échec. Parce que les causes sont restées. Tu n'as rien changé. Alléluia. Quand il y a eu une inondation ici, tous les dimanches, j'harcèle papa André et papa Philippe. Je les harcèle tous les dimanches. Ils sont témoins, tous les dimanches. Maintenant, je suis sûr que même mon regard, il commence à dire, mais les gars, là, il va encore nous dire ça. Mais ils me disent toujours quelque chose, un truc qui me semble banal, parce qu'ils connaissent. Ils me disent, papa, laisse les murs sortir tout l'eau. Moi, je suis pressé par l'extérieur, la beauté. Mais eux, ils sont sur la racine. Ils se disent, si nous acceptons de mettre la peinture maintenant, nous allons rendre un mauvais service au pasteur. Ça va être du calfeutrage. Le pasteur va dire, bravo! Mais eux, ils savent que 6 mois après, je vais regretter. C'est pourquoi ils m'ont dit, pasteur, laisse ça comme ça. Que tout l'eau... C'est-à-dire qu'ils veulent guérir la maladie à la racine. Et depuis qu'ils m'ont dit ça, je suis calme. Je suis calme. Parfois, je viens faire de mes petits bricolages ici pour esthétique. Et quand ils viennent ça, ils me grondent un peu. Papa, on ne fait pas ça. Je dis, bon, c'était juste pour calme. Calme. Alléluia. Si tu ne veux pas qu'on traite un problème à la racine, c'est une garantie qu'il reviendra 2 jours après. 6 mois après, 7 ans après. Alléluia. Alléluia. Le problème Forda, le problème n'est pas de divorcer avec Aline. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est si tu ne traites pas les raisons de ton divorce, tu épouseras une seconde Aline, les raisons de ton divorce seront encore là et tu vas encore te divorcer. Parce que toi, tu traites que les causes, mais les raisons, tu ne les traites pas. Alléluia. Alléluia. Le problème n'est pas de quitter l'église. C'est pas ça le problème. Bien-aimé, laissez-moi, je vais te dire quelque chose ce matin pour que de temps en temps... Vous savez, les médecins ont quelque chose de terrible. Quand tu vas à l'hôpital, il prend un petit instrument. Il fait ça. Il chauffe. Mais ça ne lui suffit pas. Puis il prend un petit instrument qui s'appelle le thermomètre. Et parfois il te donne et dit, mets ça toi-même. Dès que tu finis, tu lui donnes. Il y a 43 degrés. Vous êtes d'accord avec moi? Dès qu'il voit ça, il prend son stylo. Et là où tu es, tu obéis à la lettre qui a donné au médecin les raisons d'écrire. C'est ton corps. Ce n'est pas le thermomètre. C'est ton corps qui a dit au thermomètre, regarde comment je chauffe. Le médecin dit, aïe, tu as besoin de soins intensifs. Ok? Quelqu'un entend ce que je viens de dire? Je vais te donner un peu une technique pour que de temps en temps, tu te poses la question. Est-ce que je suis chrétien ou est-ce que je ne le suis pas? C'est quand même important que de temps en temps, tu te poses cette question. Pour que tu saches que depuis que tu as converti ta vie, pour que tu saches que tu n'es pas encore libre, c'est lorsque tu évalues les racines qui sont dans ta vie. Qu'est-ce qu'elles produisent? Quelqu'un m'entend?
Peut-être que tu es passé par des délivrances. Et tu te crois délivré. Mais chaque fois que tu perds contrôle, ou que tu refuses qu'on te contrôle, tu n'as jamais été délivré. Parce que le principe de la délivrance, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est retenu. Et on le fait quoi? Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un qui est retenu ne se délivre pas. On le délivre. Mais si après 10 ans de vie spirituelle, on ne te contrôle pas, on ne te tient pas, c'est que tu es toujours prisonnier. Quelqu'un m'entend? Le troisième élément. Chaque fois que tu entends qu'on dit quelque chose de mauvais, de stupide, de mensonger, d'échec, ou de tout ce que l'on peut dire sur toi, chaque fois que tu entends dire ça et que tu t'énerves, ta conversion est encore très loin. Quelqu'un m'entend? Tu es encore très loin de ta conversion. Tu es façonné par ce que les bâtisseurs disent de toi. Tu n'es pas façonné par ce que tu penses être. Voilà pourquoi dans nos églises, on a beaucoup de conflits. Quand tu veux enlever, quand tu vois que la plante pousse mal, on sécurise d'abord la racine. C'est pourquoi les engrais, même si on les met ici, les véritables engrais, on creuse. On enlève d'abord les mauvaises herbes, parce que ce sont les mauvaises herbes qui vont étouffer la racine, qui vont faire que la racine ne respire pas bien. C'est-à-dire que pour qu'on assure la croissance de cet arbre, on doit aller travailler la racine. Et les chrétiens veulent simplement qu'on enlève les mauvaises arbres. Et parfois, bien aimé, une mauvaise herbe, tu peux la couper. Si tu laisses la racine de la mauvaise herbe, c'est sa racine qui va aller atteindre la racine de l'autre arbre. Donc les chrétiens sont spécialistes. On peut tout autour d'eux toucher à tout, mais couper simplement. Tailler. Mais on n'a pas touché à une seule racine. On a laissé toutes les racines en bas. On a enlevé simplement pour donner la forme. Mais ce qui est le problème, c'est que 4 ans, 5 ans après, les mêmes choses repoussent. Tu peux examiner les racines que tu entretiens. Il y a beaucoup de racines que tu entretiens. Ma famille m'a fait ça. Ma femme m'a fait ça. Marie m'a fait ça, mes enfants m'ont fait ça, les finances m'ont créé de tels problèmes, mon travail m'a fait ceci, ça ce sont des choses que je ne peux jamais oublier, et comme c'est ça, je me définis en fonction de ces choses, mais non en fonction de ce que Dieu dit. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ne reçoivent plus aucun compliment. Parce que tout simplement, ils ont une racine de rejet. J'explique. Parce que tu as été rejeté, Tania. Parce que tu as été rejeté, Jenny. Parce qu'un gars ou un monsieur a dit que tu n'es pas belle. Maintenant, tout homme qui te dit, Jennifer, tu es belle. Ah, laisse-moi ça. Et pourtant, la personne dis ce qui est honnête et vrai. Vois ta beauté. Mais toi, tu te drapes dans ta déception au point où tu n'acceptes plus de compliments. Ton cœur est devenu insensible à l'amour. Même quelqu'un qui vient de bon cœur pour t'épouser trouve en toi une carapace. À cause de quoi? Tu as développé des choses dans ton cœur qui sont devenues une barrière. Les gens ne croient plus aux compliments. Les gens ne croient plus à des paroles. Les paroles ne leur disent plus rien.
quand une femme qui a été déçue, quoi, tu lui dis? Je t'aime, il dit. C'est vrai. Elle doute, elle dit quoi? Ça, c'est un peu comme de la folie. Qu'est-ce qu'il me dit là? Alléluia. Je peux terminer, il est quelle heure? J'ai les remèdes. Je les garde pour la semaine prochaine. Hein? On arrête après. Hein? Je les garde pour dimanche prochain. Comment découvrir les racines? Rendez-vous dimanche prochain.